Conference recording started. Nous saluons tout le monde qui est branché. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, on est depuis le fait 8 heures. Près de minuit, rentrer la caille. Et nous voulons dire bon Dieu merci. Après que nous finissons passer un dur. Une journée, nous traverser une journée qui est si longue. Nous rencontrer à toutes sortes de problèmes et que nous avons veillé sous bouche, nous avons veillé sous pensée, nous avons veillé sous action. Nous rencontrer à toute qualité de tempérament. Nous rencontrer à toutes sortes de problèmes. Parfois qui mettait nos tristes, parfois qui fait de l'eau couler dans les yeux, non? Mais heureusement, nous avons un sauveur qui pensait à nous-mêmes, il mettait le cri de minuit pour nous. Et nous faisons traverser la journée, ça, nous venons pour nous retremper dans nous, pour nous venir prendre dans source que bon Dieu mettait pour nous. Nous disons sauveur ça, merci. Et pour nous commencer, nous mettons à genoux pour nous faire une prière. Et ensuite, tout de suite, nous faisons une prière là, nous passons dans le chant numéro 4 et nous appelons psaume 8. Éternel, roi des rois, sauveur-nous, mette-nous, ou même qui remet nous. Nous c'est plumes yeux où nous disons merci papa nous traverser journée ça pendant journée ça il y a un pile bagaille qui passer la donne ça nous connaît ça nous pas connaît un pile monde rentrer dans ton bio un pile monde rentrer l'hôpital un pile monde t'es dans souffrance dans douleur dans tête chargée un pile monde t'es dans calamité. Et nous-mêmes, nous disons merci, Seigneur, nous sommes capables ensemble, sous l'île, ça a qu'on mette pour nous capables de venir tremper dans la sauce. Merci, Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui a une chance. Ça. Merci parce que nous vivons toujours. Merci pour nous la parole qui est capable d'aider nous surmonter, de nous rencontrer avec difficulté ou sur route là. Merci Seigneur pour tout le monde qui inscrit vini sous l'île ça nous ensemble. Aidez-nous pour nous capables comprendre parole de jour en jour et mettez en pratique dans la vie nous. C'est ça qui est important pour nous mettre en pratique. Si n'a tendé nous pas mettre en pratique, c'est comme si nous pas besoin même venir tendre même. Papa, nous connaît que pendant journée ça on t'a prend soin nous. Mais pendant la journée, ça nous t'a péché contre nous. Nous t'es cloué encore. Nous t'es fort fâché. Mais nous venons dans pied pour nous venir demander pardon. Pardon pour tout ça nous fait qui wrong devant face. Pardon, Seigneur. Pas grand rien nous caché ou qu'on lave nous mieux que nous-mêmes. N'a pas de temps pour purifier nous. Sanctifier nous. Et permettre que toute bénédiction que tu gagnes pour nous. Permettre que nous toutes soulignons nous capables de recevoir la soirée. Fais-nous grâce pour nous Saint-Esprit. Que Saint-Esprit soit capable de prendre place dans le temps. Et que vous promettez nous la pluie de l'arrière-saison. Mais aidez-nous pour ne pas négliger la réunion. Aidez-nous pour ne pas négliger le programme que vous mettez pour nous. Parce que nous ne connaissons pas qui l'heure. Vous avez la pluie de l'arrière-saison ça pour nous. À l'adulte, à Dieu, pour nous avoir beaucoup de monde. Pour la pluie de la saison tombée sur mon nom, et puis nous-mêmes ne pas recevoir rien. Tant pour le Seigneur, pas qu'il est arrivé, non. Nous tous qui sous les noms. Nous avons cherché, ou dit si nous avons cherché à tout que nous, nous avons besoin là. Et bien nous, là, soya, nous venons chercher grâce ou faveur. Nous venons dans le pied, nous connaissons qu'on ne peut pas bloquer la porte pour nous, pas bloquer nous, mais on va recevoir toute adoration que nous venons là. Mais nous grâce,
béni petit garçon qu'on aime en pile, frère Ricardo, qui pourra le parler dans l'homme, ou à ballon double portion Saint-Esprit, afin que toute salle pourra le dire, Seigneur, va sortir de vous-même. Fais-nous grâce, bénis-nous, transforme-nous, guéris-nous, nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Comme un cerf altéré, brave, après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme. Seigneur, après tes ruisseaux, et la soif du Dieu vivant, et s'écriant le suivant, mon Dieu, quand sera-ce que mes yeux verront ta face? Tout pain, je n'ai que mes larmes, et nuit et jour en tout lieu. Lorsqu'en mes dures alarmes, on me dit que fait ton Dieu. Je regrette la saison où j'allais dans ta maison, chantant avec les fidèles tes louanges immortelles. Mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi, espère en Dieu, car encore il sera loué par moi. Quand d'un regard seulement il guérira mon tourment, même au fort de ma souffrance, j'attendrai sa délivrance. Les torrents de ta colère sur moi 100 fois ont passé, mais par ta grâce j'espère qu'enfin l'orage a cessé. Tu me conduiras le jour et moi la nuit à mon tour, louant ta majesté sainte, je t'invoquerai sans crainte. Pourquoi donc mon âme encore t'abattra avec tant d'effroi? Espère au Dieu que j'adore, il sera loué de moi. Un regard dans sa faveur me dit qu'il est mon sauveur, et c'est aussi lui mon âme. Quand tous mes mots je réclame. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tous qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Demandez-nous pour nous prendre position, pour nous capables de prier avec Frère Ricardo. Amen. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, nous venons devant un soir pour nous capables de remercier grandement pour cette belle journée, ça qui est au nous. Pour que nous sommes capables de travailler pour vous. Nous sommes sortis, nous sommes dans la rue, nous sommes exposés à toute forme de danger, mais grâce à vous-même, nous allons nous retourner. Nous vous remercions pour ça. On ne sait jamais le hasard qui met nous en sécurité, mais c'est vous-même qui délégué des anges puissants, ajouté à l'ange gardien, qui est capable de veiller sur nous pour empêcher que l'ennemi ne nous terrasse, l'ennemi n'est pas arrivé et fait d'appui en tout cela. Nous remettons soirée salamment et paroles que nous pouvons considérer, que Saint-Esprit a proposé sur nous. Et d'une pour que parole ça capable d'habiter dans le cœur, nous, et faire nous du bien. Nous indignes de ta grâce, nous pas mériter, nous pas bon, mais nous supplions. Non, Jésus, qui a vécu, qui a prié au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonsoir, Frère. Bonsoir, Sœur Yaline. Bonsoir à toute l'équipe de minuit, tout le monde qui est branché, qui a participé dans cette séance à soi, que notre bon Dieu est capable de bénir et que dans la vie de nous toutes, le nom de Jésus est capable d'exalter. À soi, nous allons enchaîner avec l'ouverture du second saut. Donc, on est que premier saut. Alors, on a rappelé que les sauts sont connectés avec l'histoire de l'Église. Selon tous les enseignements des pionniers adventistes, c'est ainsi que nous arrivons à comprendre. Donc, soyons connectés avec l'histoire de l'Église. Donc, comme si l'Église, c'est l'aspect spirituel, c'est l'histoire spirituelle, et puis l'aspect spirituel de la question, et puis avec les sceaux, vous avez l'aspect historique. Donc, comment les choses étaient pendant la période d'Éphèse, on vous a présenté le cheval blanc à l'ouverture du premier sceau qui représentait la pureté de l'Église à l'époque. Donc l'Église qui était pure, l'Église qui était puissante. Nous avons vu que l'Église, le terme utilisé au premier sceau, les chrétiens partaient en vainqueur et pour vaincre. Et qui s'était fait ça, c'est à cause du caractère qui était puissant, il y avait un bon caractère, il y avait une doctrine qui est forte et un bon caractère, ça a fait que l'Église était puissante. Maintenant, à l'ouverture du second sceau, le cheval va changer de couleur. Donc, le changement de couleur, il va indiquer tout simplement des changements qu'a fait dans l'Église. L'Église qui était blanc, il va le passer en l'autre couleur. On nous garde pour nous, quelle couleur le cheval va le prendre à l'ouverture du second saut. Dans Apocalypse, chapitre 5, versets 3 et 4, il dit nous, quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait, c'est chapitre 6, je crois, excusez-moi. C'est Apocalypse chapitre 6, d'accord? Verset 3 et 4. Il dit, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Vous n'êtes pas sans savoir que la deuxième période de l'Église, eh bien, il a coïncidé avec une période côté que, il y a deux éléments qui manquaient, période ça, la deuxième période. Deuxième période ça que nous connaissons, qui commençait après la mort de l'apôtre Jean en l'ensemble. L'apôtre Jean qui est mort, le dernier des apôtres qui fut tué, alors qui a été mis, alors qui était mort parce qu'il n'a pas été tué par personne, il est mort d'une mort naturelle. Donc l'apôtre Jean, c'est le dernier à mourir, il est mort en l'encens. Donc de sa mort étant, la nouvelle période a démarré. Nouvelle période, ça, il va l'aboutir au décret de Constantin qui va le mettre la paix parce que cette période que vous connaissez bien, c'est la période de Smyrne. Il était caractérisé par la persécution de l'Église, la persécution de l'Église au premier siècle. Donc, l'Église était connue des moments très, très difficiles, côté que nous avons passé par l'épée de la persécution. Et c'est ça qui fait que vous parlez ici de celui qui montait le cheval reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Vous savez que l'Évangile apporte la paix.
pourvu que l'évangile est accepté. Mais du moment où l'évangile est rejeté, depuis qu'on catégorie de monde qui accepte, on catégorie de monde qui rejeté, on est automatiquement pour gagner la guerre. Donc ça a été le cas, puisque dans la période ça, après gagner confrontation entre la doctrine de Jésus et les doctrines de démons, mais les chrétiens étaient persécutés, puisque les païens, pas capables de supporter, et surtout l'Empire romain, les hommes qui pas voulaient accepter Jésus, étaient prêts à commencer à persécuter l'Église du Seigneur. Maintenant, nous regardons dans Daniel and Revelation, le livre que Frère Yass m'a écrit pour nous, il commentait le texte là pour dire que peut-être que la première caractéristique que nous remarquons parmi ces symboles est le contraste qu'il y a dans la couleur des chevaux. Ça, c'est dans un commentaire qui est fait sur Apocalypse, chapitre 6, versets 3 et 4. Il dit, celui-ci a sans doute une signification spéciale. Si la blancheur du premier cheval représente la pureté de l'évangile durant la période englobée par ce symbole, la couleur rouge du second cheval devrait signifier qu'à cette époque, cette pureté originelle commence à se corrompre. Donc la couleur rouge, cheval, un cheval roux, donc une couleur qui est rapprochée de rouge, mais qui n'est pas fine rouge net, donc il a symbolisé que l'Église là, il commençait à connaître des variations dans la doctrine, dans la foi, dans la pureté que vous avez au départ. Pas oublier l'apôtre Paul, avant de mourir, il t'a écrit, il t'a dit, le mystère d'iniquité agissait déjà à l'époque de Paul. Et au début de la période symbolisée par le second sceau, et celle qui prophétisait qu'être l'Église de Christ était déjà si corrompue que ce changement de couleur remarqué dans la description du symbole qui la représente était nécessaire. Des erreurs commençaient à apparaître. Le matérialisme faisait son entrée. Le pouvoir ecclésiastique essayait de s'allier au pouvoir séculier. Des troubles et des agitations en étaient le résultat. Rappelez-vous, à cette époque-là, nous avons parlé des génotiques, nous avons parlé des montagnismes, des hommes qui t'avaient enseigné des doctrines pernicieuses concernant la divinité, concernant la personnalité de Jésus. Donc, c'était vraiment, vraiment dur à entendre des choses. Parce qu'à cette époque-là, les chrétiens commençaient à accorder beaucoup plus d'importance à la théologie. Donc, c'est la transition de la parole de Dieu à la parole humaine. Donc, l'inspiration divine peut commencer à mettre de côté pour faire place aux productions des maîtres à penser. L'Église peut commencer à gagner des maîtres à penser qu'à rentrer là-dedans, de grands, de fameux théologiens. Et là, ils ont écrit des choses, eh bien, il est aussi important que ça, bon Dieu dit. Et avec le temps, le Balvin est important même. Donc, on place cap fait à la tradition. Et déjà à l'époque de Paul, Paul décrit, il dit que personne ne fasse de faux sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Donc, l'Église a commencé avec une tradition qui a entré là-dedans. Le mystère de l'iniquité agissait déjà. Donc, le matérialisme faisait son entrée à l'Église. Le pouvoir ecclésiastique essayait de s'allier au pouvoir séculier. Des troubles et des agitations en étaient le résultat. Malheureusement, dans la période, ça tourne. L'Église, après, a commencé à faire compromis avec le monde. L'Église et l'État ont commencé à punir sur un même piédestal. Ces deux périodes, ça, que un historien t'a parlé, il t'a écrit, parlant de cette période de l'Église chrétienne, qui va de l'an 100 à l'an 311, regardez la remarque faite par un historien. Je vais lire. Et ça, historien a dit. Nous passons maintenant. Ça, c'est encore dans Daniel and Revelation, ouvrage de Uriah Smith. Appelé déclaration, ça qu'un historien fait pour moi. Il dit que nous passons maintenant de l'Église apostolique primitive à la gréco-romaine. De l'étape de création à celle de la conservation. De la source de la révélation divine au courant du développement humain. Des inspirations des apôtres et des prophètes aux productions des maîtres, illuminés mais faillibles. La main de Dieu avait tracé une grosse ligne de démarcation entre le siècle des miracles et les suivants, pour démontrer par la transition abrupte et le contraste surprenant la différence qu'il y a entre l'œuvre de Dieu et celle des hommes. La seconde période depuis la mort de l'apôtre Jean jusqu'à la fin des persécutions ou jusqu'à l'ascension de Constantin en 311, le premier empereur chrétien, est l'ère classique
de la persécution païenne et du martyr et de l'héroïsme chrétien. Ceci fournit un commentaire continu des paroles du Sauveur. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. L'époque antérieure au concile des paroles du Sauveur, l'époque antérieure au concile de Nicée est la racine commune de laquelle les deux, le catholicisme et le protestantisme, sortirent. Le catholicisme grec et romain d'abord et le protestantisme plus tard. C'est la transition naturelle entre l'ère apostolique et l'ère de Nicée. Mais qu'elle laissa derrière elle de nombreuses vérités de la première importance, spécialement des doctrines pauliniennes qui devaient s'établir et être explorées dans les siècles futurs. Nous pouvons y trouver les formes élémentaires du credo catholique, l'organisation et le culte de l'Église catholique, et aussi les germes de presque toutes les corruptions du christianisme grec et romain. Donc, mes frères et mes sœurs, cette remarque de l'historien est très, très forte, que nous venons réponse de l'histoire prophétie d'Apocalypse, page 36. Eh bien, la transition, c'est une période de transition de l'Église. L'Église. L'Église a passé de en période de côté que c'est la parole de Dieu qui était qu'on exaltait maintenant, la pensée humaine. Les maîtres à penser commencent à diriger l'Église. Ça a dit commencer à bien pile valeur par rapport à sa bon Dieu dit. Et avec le temps, ça l'homme dit va le remplacer sa bon Dieu dit. Donc, c'est ainsi que les traditions naturelles de l'époque apostolique ont disparu avec la période de Nicée. Rappelez-vous ce qui s'est passé à la période de Nicée. Nous t'as qu'à dire, c'est le point culminant de la période. N'oubliez pas, en 313, la persécution de l'époque de Smyrne, qui durait 10 jours, ou encore 10 ans, de 303 à 313 sous Dioclétien, la persécution, évidemment, avait commencé sous Néron, et puis il continuait dans toute période-là. Il était après le point en forme amplifiée avec Dioclétien, lui-même qui était un objectif pour exterminer tout chrétien. Malheureusement, Dioclétien mourit de manière soudaine. Maintenant, en 313, Constantin prend contrôle de l'Empire-là, et grâce à l'arrivée de Constantin, il y avait l'édit de Milan. Donc, l'édit de Milan, qui publié en 313 par Constantin, cet édit-là accordait la tolérance aux chrétiens et autorisait les gens à se convertir au christianisme. Vous voyez? Donc, Constantin devient l'homme de l'époque qui commençait à faire sa relais, à gagner influence sur l'Église. Il sortit un décret pour être capable de proclamer la paix aux chrétiens. Chrétiens tolérants, donc chrétiens capables de servir mon Dieu paisiblement. Ça peut le faire que grand pile monde, la période ça, pas un en particulier pour aller rejoindre l'Église. Et Constantin te font conversion nominale. Et dans la période 323, il rejoint l'Église. Définitivement, il adhère au christianisme. Mais nous avons remarqué dans la période ça, il y a de grands changements qui ont fait. L'observation du dimanche peut prendre une forme qui est plus définie. Et ceci grâce à l'intervention de Constantin. En 321, il sort son décret. Et décret Constantin, qui ça le fait? Les demander pour tout le monde capable de reposer au jour vénérable du soleil, à savoir le dimanche. Donc, doctrine dimanche, ainsi que l'autre doctrine pernicieuse qui t'entraîne dans l'Église concernant la nature de Jésus, concernant la divinité, et bien tout ça expliquait bien le changement de couleur au niveau du cheval, côté que l'Église chrétienne a commencé à passer par des moments difficiles. Et corruption, ça a encore entré l'Église, la persécution était un bienfait. Tandis que ça, la vivre qu'on y a là, c'est vraiment plus terrible que la persécution elle-même. Parce que l'Église est menacée d'extinction, la foi chrétienne est presque disparaître avec cette doctrine pernicieuse qui a envahi l'Église. Et remarquez aussi que, dans la période, comme nous disons, il y a 2000 ans qui proclamait la paix aux chrétiens, ensuite, 321, le décret de Constantin, 323, vous avez officiellement la conversion nominale de Constantin, qui rejoignent l'Église chrétienne définitivement en 323. Donc, tout ça, vous voyez bien, c'est l'ère de Constantin. Et en 325, vous avez le concile de Nicée. Ce concile, c'est le premier concile écuménique de l'époque, côté que toutes les tendances chrétiennes étaient réunies autour d'une même table pour débattre un point important concernant la nature de Jésus-Christ. Puisqu'à cette époque-là, il y a un pile parole qui t'a dit sur Jésus, et l'Église catholique devait prononcer définitivement sur la nature de Jésus, côté que il y a un pile tollé et on est sorti avec ce que nous appelons le symbole de Nicée, que nous avons évoqué déjà dans l'histoire de cette Église, côté que le fait qu'on est que
Le Père, il y a un seul Dieu, trois personnes, il a proclamé la Trinité, mais avec la différence que le Père est le supérieur, le Fils vini en second rang et le Saint-Esprit vini au troisième rang. Donc, ils ont hiérarchisé la divinité, faisant savoir que le Père est le numéro un, le Fils le numéro deux et le Saint-Esprit le numéro trois. Ce qui est faux selon la Bible parce que les trois sont d'accord, c'est-à-dire sont au même rang. La question de hiérarchiser la divinité, la Bible n'est pas approuvée. Ça. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas prêcher la Trinité telle que prêchée par l'Église catholique. Nous savons qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, et puis en trois, on le sait, mais les trois sont d'accord, sont un, c'est-à-dire sont égaux. Donc ça, c'est l'enseignement de la Bible. Par conséquent, la doctrine de la divinité de l'Église catholique est faussée, elle est contraire aux Saintes Écritures. Donc c'est pour ça, mes frères et mes soeurs, je vous dis, hein, tout comme à cette époque, à l'époque primitive, il est étonnant pour nous d'entendre des chrétiens qui disent que pour être capable de faire doctorat, pour être capable de faire des études poussées sur la divinité, il faut qu'ils aillent étudier dans l'Église catholique. C'est faux. C'est faux. La grande apostate, pas qu'il y ait lumière pour nous. C'est impossible. La nature de Jésus-Christ nous oblige à l'étudier, à le faire doctorat en théologie, l'Église catholique, pour nous capables de comprendre la divinité. Donc, c'est comme si on a dit, c'est eux-mêmes seulement qui ont lumière sur lui. Donc, et le peuple de Dieu, il n'y a pas de lumière sur ça. Donc, ce qui est incroyable. La grande mère apostate qui mettait Marie comme maman, bon Dieu, pas qu'elle même pas enseigner nous la divinité, comment? Comment pas enseigner nous la divinité? Pas dire ou pas qu'elle dit rien qui est bon, mais nous pas qu'à prétendre, c'est eux-mêmes seulement qui a fait nous comprendre. Regardez le conseil, le symbole de Nicée. Depuis notre symbole Nicée, à moi, confusion déjà. Symbole de Nicée, c'est lui-même qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui comme étant le credo catholique sur la divinité. Donc, je dis à Frère Maxime, il faut que nous clairons sur ça. Mon théologien qui comprend pour lui faire des études poussées, c'est l'Église catholique pour l'alphélie. Là, je regrette ça. Mais là, je sortis avec ça, nous connaissons la tradition des hommes. Il n'est pas sorti avec connaissance des Écritures, mais c'est avec la tradition des hommes que l'a sorti. Donc, période ça l'est marqué par de grands événements et de grands changements faits vraiment dans l'Église. Donc, nous passons de la persécution à la paix. Donc, l'Église chrétienne qui était persécutée au départ, eh bien, a connu la paix. Mais est-ce que cette paix était favorable? Non. La tragédie des siècles nous dit, et nous t'en voyons dans l'histoire, elle dit que l'Église courut alors un péril en comparaison avec lequel la persécution eût été un bienfait. Donc, la persécution était une bénédiction pour l'Église. Alors, ce moment que l'Église a passé là, avec païen qui a entré l'Église, qui a envahi l'Église, mais la persécution, c'est une bénédiction. Donc, c'est ce que les prophéties appellent dans la vie, c'est que l'appât dangereux de la prospérité. En proie à venir l'Église, païen a converti, pas paquette, on a entré l'Église, l'Église content, l'Église chrétienne a devenu populaire. Mais derrière cette popularité, il y avait un piège. Lequel? C'est que l'Église se corrompt. L'Église se corrompit, la foi chrétienne a disparu au fur et à mesure. Bon, on m'a rappelé où encore? 313, édit 2000 ans, proclamé la tolérance aux chrétiens. 321, Constantin font décret en faveur de dimanche, demandé pour tout le monde qui juge citadin capable de reposer au jour vénérable du soleil. L'observation du dimanche prend une forme légale en dans l'Église, vraiment triste. Donc, le samedi, commençait à prendre coup, sérieusement. En 323, Constantin annonçait nominalement que les chrétiens, donc les rejoignent l'Église chrétienne, bien qu'il va jamais baptiser, si ce n'est qu'avant sa mort, donc il rentre l'Église, il fait les chrétiens, tout le monde connaît que l'empereur, les cap dirigeants monde là, chrétien. Ben, ça te fait un gros écho dans le monde là. Et bien, Constantin, ça qui vient faire le chrétien, hein, en 325, il a gagné le droit, il investit peut-être les deux pouvoirs pour être capable de réunir toute tendance chrétienne qui était en dispute. Et c'est là, justement, qu'il prend position pour l'Église catholique avec le credo catholique que nous connaissons, le symbole de Nicée, qui a naissance déjà à l'Église catholique en miniature depuis notre période de temps. Le symbole de Nicée qui va le sortir en 325 suite à ce grand concile œcuménique organisé par Constantin pour être capable de rétablir la paix dans l'Empire là, puisque les chrétiens étaient apparemment divisés sur la nature de Jésus. Eh bien... Vous entendez? Il y a un credo de l'Église catholique, c'est un concile composé par... Je demande à tout le monde qui est sous l'incri de minuit qui a parlé, s'il vous plaît, pour nous mettre nous sous mute, parce que qu'il fait un écho et il y a un petit gens qui disturbe l'autre monde qui attendait. Merci.
Line muted. Merci beaucoup. OK, on va continuer avec... Oui, après 325, ça, qui était gagné au concile, comme nous disait le concile de Nicée, qui va l'aboutir avec le symbole de Nicée. Le symbole de Nicée, c'est là, nous vient l'élaboration du credo catholique qui définit la divinité. Donc, il faut qu'on ait Dieu, et Dieu, ça, il y a trois personnes, le Père au sommet, le Fils, c'est le second, et le Saint-Esprit en troisième rang. Donc, c'est comme ça représenté. Comme on dit, non, c'est contraire à la Bible, puisque la Bible n'a pas présenté une hiérarchie dans la divinité. Vous dites le Père au sommet, le Fils pipiti pastel, et le Saint-Esprit encore pipiti. La Bible dit, non, les trois sont d'accord, les trois sont un. Donc, c'est un seul Dieu, même s'il y a trois personnalités différentes, mais ils sont un dans le sens que égaux et ils sont unis en dessein, ils sont unis en nature. Donc, c'est l'enseignement de la Bible qui est très, très mystérieux. Comme nous dit que dans la période ça, nous pouvons y trouver les formes élémentaires du credo catholique. Ça nous est l'organisation et le culte de l'Église catholique qui prend la forme dans la période ça. Par exemple, l'adoration des saints et les images commencent à rentrer dans l'Église puisque, pas oublier, dans la période ça, il y a un pacte qui s'y est entre le paganisme et le christianisme. Et en vertu de ce pacte, en dans même l'Église, ça vient de deux catégories qui peuvent adorer mon Dieu. Ouais, qui est drôle. Ou bien il y a des païens qui viennent dans l'église, parce qu'ils ont dit que l'église chrétienne ouvre à eux-mêmes, ils ont venu. Et vous avez les chrétiens qui viennent dans l'église. Maintenant, comment trouver un moyen pour réconcilier ces deux éléments disparates à l'intérieur de la même église? Mais l'église catholique dit, bon, si nous mettons idole, l'Ibrale paraît que c'est le paganisme qui est intronisé dans l'église. En nous, remplacer idole, ça, qui est dans l'église, que païens ont été qu'on a donné, mettez image saint qu'on a, mettez saint Paul. Mettez Saint-Jacques, puisque monsieur, c'est aussi des héros de l'évangile qui ont été. Si nous mettez, il n'y a pas pris compte de subtilité, ça. Donc, tout le monde a rencontré là. Pas un héros absenti, puisque vous avez une image. Chrétien, tout absenti, puisque maintenant, ce n'est pas Saint-Dédé, ce n'est pas des images drôles, des héros de la nation qui ont venu, mais c'est des héros de la foi. Donc, chrétien qui est fier de Paul, chrétien qui est fier de Jean, on est prêt à le content, puis on va adorer Saint-Paul. Mais comment chrétien va le piéger? Donc, ça, c'est l'organisation et le culte de l'Église catholique. Qui viennent croire que l'image là vient jouer un rôle important dans l'adoration, ils mettent les liens dans l'Église parce que ça, c'est important pour capable motiver plus de monde à venir à l'Église. Parce que il y a des gens qui viennent justement pour garder l'image, pour vénérer l'image. Donc, voilà les germes de presque toutes les corruptions du christianisme grec et romain, à savoir. Les deux églises catholiques, que ce soit catholique grec ou catholique romain, qui étaient une seule avant 11e siècle, mais tous les deux étaient pris influence ça, et le culte catholique qui organisait dans la période ça avec l'adoration, le culte des images, et aussi le culte du dimanche, qui était commencé à prendre forme dans le moment ça, et très bientôt avec la célébration de la messe, côté que l'église d'Ali même pouvait pratiquer l'Eucharistie, avec la doctrine étrange et bizarre de la transsubstantiation. Qui fait qu'on est que l'hostia même, c'est le corps de Jésus. Dis-nous, l'esprit de cette époque atteint peut-être son apogée au jour de Constantin, qui fut appelé premier empereur chrétien, dont la conversion au christianisme en 323 produisit un compromis entre l'Église et l'Empire romain, comme nous dit notre édit tout à l'heure. Donc, l'édit 2000 ans en 313 accordait la tolérance aux chrétiens, autorisait les gens à se convertir au christianisme. Et en 313, on nous dit que ça reste la plus significative des nombreuses bornes sur la route où l'Église et l'État avançaient vers la coopération. Donc, c'est vraiment triste, côté que l'Église et l'État n'ont pas avancé vers une bonne coopération. Côté que l'Église commençait à l'utiliser l'État comme son accessoire. Donc, là, l'Église a besoin d'exercer la force, il va faire appel à l'État, c'est-à-dire au pouvoir séculier. Ça, c'est vraiment dur. Puisque vous remarquez bien, Constantin, une fois que le catholique, et c'est ça qu'il faut déclarer. Dans le concile de Nicée, l'Elphini, il était déclaré anathème tout le monde, les Ariens, tout le monde qui était opposé aux doctrines catholiques, qui n'était pas d'accord à credo catholique là, qui était évoqué dans le concile de Nicée. Mais depuis une période, sa persécution a commencé. Donc tout système, toute
puissances ariennes, c'est-à-dire les puissances opposées aux doctrines catholiques, au concile de Nicée, en fait, ils commencent à persécuter l'Empire. C'est ainsi que tu as gagné un conflit très sévère entre les Ariens et les catholiques. Très, très sévère dans la période. Les Ariens eux-mêmes qui prêchaient la divinité d'une autre façon, même si tous les deux n'ont pas, et l'Église catholique qui présentait les façons par les gens que nous sommes dans le ciel pour eux-mêmes. Et avec une légère différence, on dit le Père et le Fils sont de nature distincte, les Ariens, tandis que les catholiques disent le Père et le Fils sont de même nature. Mais tous les deux disent de nature distincte, mais le Fils est inférieur au Père. Et les catholiques disent de même nature, encore le Fils est inférieur au Père. Donc, comme on dit, nous, la conclusion des deux est mauvaise. Cependant, nous connaissons des nuances dans la façon que tous les deux étaient présentés. Donc, oui, ils ont de même nature, mais ils ont égaux aussi. Donc, ce débat agitait pendant toute la période et l'Église catholique se faisait aider par le pouvoir séculier, à savoir Constantin. Constantin, pape, te constitue bras folle l'Église à un moment. Ça, tout le monde qui voulait opposer Constantin mettait des âmes sous eux, mettait exercer pouvoir. Lui. Et nous parlons par la suite, avant d'arriver à la période médiévale, nous parlons gagner d'autres mondes encore qui parlent convertis par la suite qui sont capables de renforcer le pouvoir de l'Église. Donc, pour les chevals là, pour renforcer davantage, là, nous allons arriver dans la troisième période là, parce que nous voyons que le cheval là, va venir noir. Et ça va l'expliquer nous véritablement, c'est le début d'une période assez corrompue de la foi chrétienne. Donc la foi chrétienne va vraiment changer à cause, mais c'est en vertu de l'union entre le paganisme et le christianisme. Nous devons l'end up faire cette église à l'époque de Smyrne et de Pergame. Donc l'union de l'église et de l'État corrompit le christianisme. Et en vertu de cette corruption du christianisme, ça va l'entraîner, nous devons aller la séparation dans l'Église. Donc, il y a des chrétiens qui ne sont pas d'accord à changement. Et les gens qui ne sont pas d'accord, en pile fois, ils ont été obligés de séparer pour fonder une autre organisation. Donc, l'Église et l'État, mes frères et mes soeurs, ils n'ont pas un bon bagage, puisque l'Église et l'État, ils n'ont pas le même principe, ils n'ont pas la même direction, ils n'ont pas la même orientation, donc ils n'ont pas qu'à mettre les têtes ensemble. Donc, malheureusement, dans la période de ça, l'Église chrétienne est prise en piège. Attiré par l'appât dangereux de la prospérité. L'Église Blévigny est une Église qui est populaire. Il y a besoin pour plus de monde à marcher derrière lui. Donc, c'est ainsi que l'Église a rejoint les païens, il a fait la paix avec les païens, et l'Église et l'État pour être unis, malheureusement. Donc, les faits nous connaissent que, cependant, même pendant les jours d'apparente subordination de l'Église au gouvernement, les ecclésiastiques tentaient d'influencer les directives de ce dernier. Donc, l'Église a toujours fait effort pour diriger l'État, mais malheureusement, nous connaissons que l'Église et l'État pas capables de concilier. Je l'offre à l'État qui a pu utiliser la force, l'Église qui a pu utiliser l'Évangile, la parole. Eh bien, nous pas capables de concilier les deux. L'Église m'a donné mon fond bagage, il n'est pas d'accord, pas qu'à mettre des sous lui, mais l'État m'a donné mon bagage, pas fait la mettre des sous. Donc, nous comprenons que la situation était vraiment dégénérée. Et ça prend le fait que tu as gagné un conflit qui va l'entraîner dans l'Église, justement, parce que la situation était telle que, à cause de la corruption, tu as gagné une division dans l'Église. Et c'est en ce sens que ça a tout nous capable de gagner la paix dans la période. Ça. Donc, nous comprenons bien, le prophète l'a raison de dire, le cavalier reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, c'est bien malheureux. Dans l'Église chrétienne même, il y a une guerre, il y a un conflit. Comme nous disons, les tendances théologiques n'étant plus partagées, vous avez les Ariens d'une part, ils étaient très violents, et on va le voir pendant toute période ça. Et ça, c'est l'histoire de l'Église, mais les notes apprennent, les trompettes qui parlent de l'histoire du monde à cette époque, on va regarder dans la même période ça, les empires. Rome va commencer à subir des attaques. Et en vertu de ces attaques, l'Empire romain va le diviser. Maintenant, l'Empire romain vient diviser. Constantin va le problème. L'Empire la vient diviser dans l'air. Et l'Empire la divisé. Les Ariens va arriver à séduire plusieurs. Et les Ariens ont séduit plusieurs maintenant. Laissez Ariens qui. Les empereurs là, Ariens ont dominé. Maintenant, si empereur la vient converti en catholique, maintenant catholique dominé.
Donc, il y a une tendance qu'on a cap varier. Tantôt c'est arien cap dominé, la tendance arienne cap dominé, puisque l'empereur l'a converti à l'arianisme. Maintenant, lorsque l'empereur est converti au catholicisme, qui partage le credo catholique, eh bien, les catholiques dominent. Donc, c'est ainsi qu'on va gagner une vague de persécution. Tantôt arien va persécuter les catholiques, effectivement, pas de la paix. Des frères, il y en a égorgé l'autre. Donc, tantôt arien va prendre contrôle, il va persécuter les catholiques à mort. Et tantôt catholiques, il va prendre contrôle encore, à nouveau, et il va persécuter arien à mort. Et c'était de violentes persécutions qui va cumuler dans l'éradication de trois royaumes en Europe qui n'ont pas existé jusqu'à ce jour. Parce que lorsque le pouvoir papal a besoin de dominer, il va l'obliger à racheter trois là-dedans, carrément. Donc, mes frères et mes sœurs, il est important pour nous comprendre justement que la période de Sayo était vraiment bouleversée pour l'Église chrétienne, puisque la persécution était une bénédiction. Donc, en pile fois, chrétien a cherché la paix par les compromis, mais il faut nous faire attention. Et leçon qui passe, ça qui arrivait autrefois, l'idée de servir leçon pour aujourd'hui. Les chrétiens comprennent que la paix, c'est un compromis lié, nous n'avons pas. Et nous faisons compromis avec le monde pour nous capables en paix, il n'est pas bon pour, il n'est pas jamais bon pour l'Église. Parce que la foi de l'Église se corrompt. Et une fois que notre foi est corrompue, ah ben l'Église perd du puissance lié. Et puisque l'Église perd du puissance lié, le cheval l'a changé de couleur. Le cheval l'a passé de blanc à rouge. Et puisque le cheval l'a vu, ça symbolisait que la foi chrétienne est altérée. L'Église chrétienne a connu des moments difficiles. Donc, mieux vaut la persécution que le compromis. Plutôt, le monde l'a persécuté nous parce que nous sommes sincères, nous fidèles. Que le monde l'a tellement aimé nous parce que nous semblait avec eux. Et ouais, comment que la foi chrétienne n'a pas rompu. Et jusqu'à présent, on a pris pile effort pour nous capables de nager contre le courant. Parce que jusqu'à présent, la doctrine qui était contrôlée l'Église dans le moment, ça a toujours fait chemin en pile l'Église chrétienne jusqu'à présent. Mes frères et mes sœurs, il est important pour nous capables de prêter attention à l'ouverture des sceaux. Parce que chaque fois que sceau est ouvert, nous voyons qu'on doit présenter nous la situation de son Église telle qu'elle était à cette époque. L'Église chrétienne qui connaît des moments difficiles, des variations à cause des compromis qui étaient faits entre l'Église et l'État, entre les païens et les chrétiens. Donc, pour qui ça nous met des connotations? Parce que l'État à cette époque, c'était le paganisme. Parce que l'Empire romain, c'était l'État, c'était le paganisme pur et simple. Et l'Église chrétienne, à peu près unie avec l'État, Constantin rentrant dans l'Église. Il y a un empereur, il vient orienter les activités de l'Église. Donc, Constantin vient en prise dans les activités de l'Église. Donc, c'est là où nous, l'Église catholique commençait vraiment, l'Église qui a contrôlé l'État au profit de ses intérêts. Donc, l'Église catholique, dans toute son histoire, a toujours été une Église qui exerce son pouvoir sur le pouvoir civil. Le pouvoir civil toujours dans main, tant qu'on pour pétrole. Donc, c'est vraiment malheureux que dans l'Église chrétienne, nous venions une union entre l'Église et l'État. Jusqu'à ce que la réforme va le faire jour sur cause ça, côté que l'Église et l'État va l'obliger à séparer à nouveau. Parce que c'est le principe de Dieu. Dieu ne veut jamais que l'Église et l'État capable de unir. Seulement sous la théocratie, l'Église et l'État capable unis sans persécution. À l'époque de Moïse, Moïse était le berger d'Israël, mais aussi l'autorité civile. Mais il n'y avait pas persécution parce que la théocratie préservait la persécution. Mais quel que soit l'autre système dans le monde qui arrivait à diriger, l'Église et l'État unis toujours une persécution. Au cas où vous regardez Babylone, les Babylones ont dirigé. Un roi Babylone, non, c'est lui-même qui était prêtre Babylone, il était roi aussi. Donc prêtre ça, roi ça, tout est dans ses idoles. Il a encouragé l'adoration des idoles. Rappelez-vous, Nebuchadnezzar font statue, il demande pour tout le monde adorer. Donc les rois, c'était un aussi impliqué dans les affaires religieuses. Et il dit tout le monde qui parle d'eux, l'a jeté au nom du feu. Ou est comment l'Église et l'État réunis, persécution. Ou prend les Mèdes et les Perses, la même chose. Et ils sortent son décret, on dit tout le monde, dans une période de 30 jours, ça, qui a adressé prière à une autre divinité, que le roi même, eh bien, il est passible pour le jeter dans la fosse au lion. Mais le décret, ça a quitté fait Daniel en tant que serviteur de Dieu, qui est tombé dans la fosse au lion. Parce que Daniel continue à adorer mon Dieu. Donc, encore, l'Église et l'État sont réunis en Mèdes et Perses, persécution. Grèce, la même chose. Rome, la même chose. Et maintenant, lorsqu'on arrive au pouvoir papal, c'est bien malheureux que l'Église chrétienne, unie avec l'État,
Alors que au départ, les Jésus étaient fondés l'Église, l'Église était séparée de l'État, l'Église était pure, cheval était blanc. Maintenant, une fois que l'Église a l'uni avec l'État, cheval a changé de couleur, puisque l'Église commence à corrompre. Mes frères et mes soeurs, il est important. Nous sommes capables de faire attention. Puisque bon Dieu mettait l'Église à part. Bon Dieu mettait l'Église là, pour l'Église qui est pure et sans tache. L'Église, ça, elle est corrompue, elle est entendue avec le monde, mais elle est déshonorée le Seigneur. Eh bien, cheval changeait de couleur. Elle n'a pas seulement été dans la période 325, elle est montée. Donc, tout après la division de Rome en 351, jusqu'à 476, Rome, l'Empire romain était divisé. Et pendant toute période de bouleversement, ça, l'Église chrétienne était témoin de confusion. Donc, pendant la période de 351-476, vous avez eu la division de l'Empire romain en 10 royaumes. Et le fait qu'il y avait 10 royaumes, tendance, donc l'Empire, là, une fois l'Empire l'a divisé, maintenant, tendance arienne, d'une part, lorsque l'empereur catholique l'a fait accepter la doctrine arienne, eh bien, c'est l'arianisme qui domine dans l'Empire. Lorsque l'empereur catholique là, qui vient en lit catholique, les empereurs qui dirigent l'Empire en lit catholique, eh bien, le catholicisme a dominé. Donc, mes amis, sont véritables tohu-bohu, tantôt catholique, tantôt arianisme. Tantôt catholicisme, tantôt arianisme. Donc, jusqu'à ce que le catholicisme après utiliser la force des hommes, et nous parlons à partir de l'année 494, côté que utiliser les armes, ils vont utiliser le pouvoir séculier, à partir de 494, où ils ont chassé une des puissances rivales, à savoir les Vandales. Les Vandales ont été chassés d'Italie, puisqu'ils étaient opposés aux doctrines catholiques, parce qu'ils étaient faits à rien. Il y a aussi, en 533, n'oubliez pas, à cette époque-là, vous avez eu Justinien, l'empereur Justinien qui était catholique, un fervent catholique, l'empereur Justinien, cet homme-là, il était catholique, il a fait publier un décret, Justinien, empereur catholique en 533. Selon ce décret, le pape était hissé comme étant à la tête de la chrétienté. Il a hissé le pape, il a proclamé le pape dans ce décret comme étant la tête de la chrétienté. Donc, toute l'Église doit soumettre au pape. Ça, c'était le décret de Justinien en 533. Un décret, ça n'est pas capable effectif, n'est pas capable d'entrer en vigueur parce que tu as gagné des puissances qui étaient opposées à l'Église catholique. Toujours dans l'Empire, là. Il y avait encore les Éoules sont arrachés en 494, excusez-moi. Les Vandales sont arrachés en 534. Donc, après le décret de Justinien qui sort en 533, eh bien, l'Église catholique a commencé à prendre force, même si des cas pour aucun entrer vraiment en vigueur, mais force que les joignent. Il est arrivé combattre les Vandales en 534 qui étaient opposés au pouvoir catholique, qui étaient eux-mêmes en rien. Et, comment dire, vers l'année 508, ils ont un avantage en faveur de l'Église catholique. En 508, vous avez eu la conversion de Clovis. Clovis, qui sont gros général, les mêmes qui étaient rois des Francs, ils étaient païens. Et dans l'Elvin fait le catholique en 508, ils viennent en pile force à l'Église. Donc, uni à Justinien, qui était un gros chef, Clovis aussi, pour aider l'Église catholique. Parce que Pablo, l'Église catholique commence à utiliser le pouvoir séculier dans un moment ça. Alors, l'un dit l'Église catholique, même si officiellement, les potes ont l'Église cap dominé, mais elle commençait à bien emprise, puisque doctrine catholique, là, le symbole de Nicée commence à faire chemin. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec le symbole nicéen, hein, donc l'Église catholique, elle existait déjà, mais elle n'est pas capable de dominer. Pour qui ça? Parce qu'elle a des rivales dans l'Empire. Là. En 634, ils battent les Vandales. Et maintenant, chaque territoire trouvé exactement en Italie. C'était les Ostrogoths. Mais comme nous disons, grâce à la conversion de Clovis, le pouvoir papal renforcé, et bien puisque Clovis vient faire le catholique, avec ça, l'Église catholique utilisait lui, et par la force que Clovis lui portait à l'Église-là, et bien, il pouvait arriver à chasser les Ostrogoths d'Italie par la force des armes, il est obligé de quitter l'Italie. Et à ce moment-là, l'Italie, qui était la dernière zone qui était gagnée, rival là, qui était trouvé, donc on est à Rome, le Vatican était trouvé déjà à Rome, et mais justement, le chemin était ouvert, la porte était grandement ouverte pour que le catholicisme capable de monter au pouvoir. En 538, justement, comme vous le savez, la suprématie papale libérale démarrait. Les empires qui sont restés étaient bel et bien catholiques. Les sept nations restantes, à savoir l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse, l'Angleterre, la France,
Et puis, je crois qu'il y avait l'Italie, je ne vais pas citer l'Italie peut-être. Donc, l'Italie, donc, vous avez les sept nations et, qui constituent l'Europe occidentale, et bien, eux-mêmes, ils deviennent faire catholiques. Donc, toutes sept nations ont été catholiques, puisque les trois qui n'étaient pas catholiques ont été déracinés. Donc, c'est ainsi que, puisque nous avons dit toutes choses étant égales par ailleurs, ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, donc tout était d'accord que l'Église catholique, c'est le chef de la chrétienté, et le pape, c'est la tête de la chrétienté. Donc, le décret de Justinien va entrer bel et bien en vigueur en 538, parce qu'à ce moment-là, le chemin était pavé devant l'Église catholique pour contrôler le monde. Toute l'Église chrétienne était soumise au pouvoir papal en 538, et désormais, le pouvoir papal va commencer à diriger le monde. Donc, bel et bien, l'année 538, les symboliques d'une nouvelle période dans l'histoire chrétienne, côté que l'Église catholique va commencer à diriger le monde là véritablement. Donc, c'est ça. Donc, nous comprenons que à l'ouverture du deuxième sceau, on pas seulement gagner la période de l'Église Smyrne, mais vous avez aussi la période de Pergame, qui tourne Smyrne à Pergame, tout travers ces périodes, deuxième sceau. Parce qu'à l'ouverture du troisième sceau, vous allez voir justement, ce sera la hiérarchie papale qui prend le contrôle du monde là. Donc, ce sera au prochain sujet, prochain dimanche. Nous allons gagner un sujet sur le troisième sceau. Que bon Dieu bénisse nous tous. Maintenant, nous faisons place à tout le monde qui a une question sur l'ouverture du deuxième sceau. Côté que nous, la période de Smyrne et de Pergame, tout coïncidait à l'ouverture du deuxième sceau, qui marquait justement, c'est les préambules, ce sont les préambules, les préparations à la montée en puissance de l'Église catholique. Donc, nous allons appeler la date, comme c'est la partie historique de l'Église, mais espérons-nous qu'il y ait l'essentiel et que bon Dieu capable de nous bénir. Amen. Non, laissez place aux questions maintenant. Soyez Aline. Question, s'il vous plaît, sur Zoom. Tout le monde entend des moi. Baron, est-ce qu'il y a une question? Je suis moins capable. Bon, nous remercier mon Dieu pour la façon que frère nous explique nous partie ça aussi clair. Route que mon Dieu a fait avec l'Église. N'a demandé que si quelqu'un qui a des questions, levez main nous. Là, nous garder sous Zoom pour nous voir. Bon, bah ouais, personne levé mais pas grand monde qui levé mais sous Zoom. La pas des je Frisline s'il qu'a garder pour nous sous cri de minuit. C'est grand monde qui levé mais ou grand frère Daniel qui levé mais sur ligne 302. Daniel, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Frère. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Pasteur Ricardo. Question là, où t'es touché? Où t'es touché troisième soir? Où tu parlais du cheval noir là. Alors, si selon ça, cheval noir signifie dans la prophétie, dans l'Apocalypse, là, troisième soir, ça nous a dit de la couleur noire. Est-ce que nous a dit couleur noire, vous l'avez dit, ça, vous l'avez dit dans la prophétie? Ça nous a dit la couleur noire. Après, le monde dit couleur noire, il symbolise le deuil, ténèbres. Est-ce que nous a dit ça? Est-ce que c'est possible pour nous dire ça? Merci. Alors, ici, couleur noire, ça, frère Daniel, c'est pas le noir
Et alors, les noms disent noir, ça parce qu'on est gain noir, peau noire, parce qu'on n'a pas besoin de monde qui a une couleur noire, ça facile, non? Le peau noire, là, non, c'est pas ça, non? Mais c'est surtout, il traduit une période de ténèbres. On a pas loué ça à partir du Moyen-Âge, parce que la période 538, ça, le cheval, la vie noire, là, donc il parle vraiment, j'en vois écran en background que de minuit, il est vraiment noir, c'est l'âge noir, parce que le monde n'est pas capable de voir rien à un moment, ça. Aucun progrès pas de cas fait. L'humanité était vraiment retardée. Et M. l'intervenant, que ce soit moi-même ou l'autre intervenant qui a fait, pour l'entrer dans le détail historique Moyen-Âge là même, parce que c'est ça, il faut nous expliquer ça qui fait son période noire. Même la science n'a pas progressé au Moyen-Âge. Galilée, quand il soutenait au bagaille, il a trouvé. Donc, le monde qui était en connaissance, il a obligé de fermer la bouche. Parce que depuis sorti, il n'est pas d'accord. Il n'est pas conforme à l'Église, il a trouvé. Il y a un monde campé pour parler contre l'Église, là, contre la doctrine de l'Église, il a trouvé. Là, tu es vraiment Dieu. Donc, on va retourner sur le livre de Daniel, c'est au prochain saut. Donc, on va tout simplement faire qu'on est que nous arrivons dans 538, côté que nous parlons du troisième soir qui parle ouvrir, et le cheval sera noir. Donc, mais c'est surtout dans le contexte ténèbres, fait noir. Moun pa ouè anyen, parce que pas prendre pour couleur noire là, mais ouè surtout dans le moment de ténèbres. Ténèbres existaient depuis le commencement. Donc, ténèbres, c'est côté que ou pa ouè, ou pas capable de discerner. Pas de lumière. Donc, le contraire de la lumière, c'est ténèbres. Donc, c'est dans ce sens à peau noire, là, mais ce n'est pas couleur de la peau, mais c'est surtout, ils ont état de choses. Ils ont état de choses pour qu'ils traduisent, ils ont chaos, ils ont absence de connaissance, ils ont absence d'esprit, puisque le monde n'a pas qu'à comprendre rien, c'était vraiment l'âge noir, ça l'église barreau, c'est libre pour prendre, mais ça peut célébrer dans la langue latine, le monde n'a pas comprendre ça, cap dit, le monde allait à l'église vide, tout est vide. Et puis les mounan mouri, c'est l'argent pour gagner pour bailler un cob pour capable boire un certificat d'indulgence. Et avec certificat ça, mon arrivé qu'à dormir la Kaili parce qu'elle connaît péché mon n'a pas pardonné. C'était vraiment un véritable broglio, un véritable tête chargée dans le moment ça. Donc, n'a pas tourné sur lui. Au prochain sujet, ce sera l'ouverture du troisième saut. Merci. La chica encore pour nous. Personne? Eh bien, pas une question? N'a pas été fait? Et pour nous mettre fin, on va chanter et on couplet 489 qui dit « À toutes tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. » Et ensuite, la prière avec Frère Ricardo. Entre tes mains, j'abandonne ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Et prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. La proposition pour la prière avec Frère Ricardo. Notre Seigneur et notre Dieu, nous remercions encore. Bon, quelque chose à dire, nous avons vécu l'histoire de l'Église avant le Moyen-Âge, avant l'âge noir. Nous comprenons que l'Église paraitait dans le chemin qu'on traçait à lui maintenant. Eh bien, et c'est erreur. Union avec le monde, par exemple, il y a l'autre effet que corrompt l'Église. Aidez-nous pour que, en tant que peuple, en tant que monde qui observe, vous êtes capable de songer que. Nous appelons pour nous évangéliser le monde, mais pas appeler pour nous unir avec le monde. Par nos forces, par nos courage. Pour que l'amour nous soit capable plus fort que l'amour même nous ait peut-être. Et que nous avons préféré la mort que nous abandonnons. Que nous passions une très bonne soirée. Et tout petit, tout le monde. Nous ferme jusqu'au bout. Pas qu'il nous fait compromis à chaque fois. Non? Puisque chaque fois nous fait compromis, non déshonoré. Et que nous vraiment déçu lorsque que petit, tout le monde, au compter sur nous. Choisis faire ça qui m'a. On va garder nous. Qu'est-ce que nous ferme jusqu'au bout afin que personne ne va prendre couronne.
On est digne de ta grâce. Non pas mérité, non pas bon, mais nous supplions au nom de Jésus. Amen. Nous remercions tout le monde qui était branché. Et nous allons rendez-vous demain soir, 8h, 9h. Bonne nuit. Bye bye.